Bon matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour s'autoriser à être soi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 octobre 2023. Comment allez-vous ? Bien, j'espère. Avant toute chose, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridiques. Dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé « Débarrasse-toi de l'attachement » et nous sommes dans le chakra du cœur. Alors, je ne vais pas vous dire où il se trouve parce que, bon, vous le savez, hein, il se trouve entre les deux seins, hein, sur le sternum, et ce chakra est relatif à l'amour véritable, à l'acceptation de soi et à l'amour des autres. Maintenant, lorsque ce chakra n'est pas harmonieux, il est obstrué, il n'est pas dans l'alignement, eh bien, vous vous acceptez difficilement. Vous vous sentez mal aimé. Vous vous sentez rejeté ou vous avez peur d'aimer et d'être aimé. Pour certains d'entre vous, vous masquez votre manque d'ouverture à l'amour derrière une froideur qui vous éloigne de vous-même et des autres. Vous avez mis un masque. Dépendant pourtant de l'amour des autres, paranoïaque, indécis dans l'attachement des personnes et des choses, eh bien vous avez peur d'être rejeté et l'indifférence vous foudroie. Peut-être que dans votre relation passée, vous avez été manipulé, vous êtes tombé sur un pervers peut-être. Débarrasse-toi de l'attachement. Alors peut-être que vous étiez dans une demande, dans une attente. Et évidemment, eh bien, l'attachement, il faut savoir s'en débarrasser. Aimer dans l'attachement, eh bien, c'est attendre de l'objet de ton amour, c'est-à-dire une personne, une situation, une possession matérielle, qu'il vienne combler tes manques. Tes besoins et cet immense vide que tu ressens, parfois quand tu es seul face à toi, eh bien ce lien que tu établis constitue la base de ta sécurité. Et ce qui conduit parfois, eh bien, à la panique totale quand elle est mise en péril, c'est-à-dire angoisse de la séparation, angoisse de l'abandon, angoisse du néant. En comprenant que toi seul es capable de bâtir pour toi-même la base de cette sécurité que tu recherches tant, eh bien, tu aimeras dans la liberté et la confiance. Ne pas aimer dans l'attachement, c'est tellement important. C'est aimer de façon inconditionnel. C'est-à-dire sans émettre aucune condition d'appartenance, c'est se délester d'un poids et se sentir léger, libre et vivant en aimant davantage et plus sereinement. Quelle est la solution ? Rayonner l'amour en toutes circonstances, en le faisant naître à l'intérieur, sans attendre qu'il ne vienne de l'extérieur. Prends soin de toi. Prendre soin de soi en premier lieu pour déborder d'amour et d'énergie pour les autres. Et lorsque ce chakra est bien harmonieux, n'est-ce pas ? Eh bien, le cœur est ouvert et vous n'avez pas peur d'aimer. Rien ne peut résister aux vibrations de l'amour.
véritable rempart, n'est-ce pas, contre la tristesse, la colère ou la maladie. Les sentiments sont dénués de conflits et seul le détachement, la sagesse, la compassion, la joie de vivre et la sincérité règnent en maître. Purifié et ouvert, eh bien, ce magnifique chakra nous fait accéder à l'amour inconditionnel, un amour que l'on ne peut ni posséder ni perdre. Vous êtes plus à ce moment-là dans une demande, dans une attente, puisque c'est un amour inconditionnel. Quel beau message, encore une fois, merci, merci, s'autoriser à être soi. C'est vraiment accepter cette part obscure que nous avons en nous pour avancer vers sa lumière, n'est-ce pas? Waouh, ça, moi, en tous les cas, ça me parle, hein. Je ne sais pas si pour vous ça va parler, mais en tous les cas, moi, ça me parle de ce que j'ai vécu. Ce n'est pas de maintenant que ça me parle, mais de ce que j'ai vécu il y a X années. Voilà. Alors, on termine par la petite carte « Ne plus avoir peur ». Lorsque je suis seule, je cherche à m'épanouir dans ma solitude. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même, n'est-ce pas? Cette réconciliation est le meilleur rempart contre la peur. Belle synchronicité. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.